être Powell. Hein. Je voulais être Powell. Mike Powell, Carl Lewis, sans longueur, champion du monde à Tokyo en 91. Ouais. Mais c'est sûr que ces images-là ouais, seront gravées dans ma tête. J'ai eu l'occasion de voir en direct parce que j'avais des frères qui suivaient ce championnat. Et j'ai vraiment regardé ça avec un regard innocent. C'est mon entraîneur qui m'avait montré la vidéo. Ce qui est particulier dans ce jour-là, c'est déjà le fait que ce soit deux athlètes qui appartiennent à la même nation, qui s'affrontent sur la même discipline. Et c'est là où on a vraiment vu l'adversité de deux athlètes qui se connaissent depuis longtemps. Depuis cette époque-là, on a toujours essayé de monter des duels, essayer de faire des choses, alors que celui-là, il s'est fait naturellement. Et sur ce concours, ils ont fait quelque chose d'énorme, quoi. Carl Lewis qui saute à 8m68, puis après Powell qui répond derrière, 8m95, qui fait le record du monde. Je mettrai ce duel parmi l'un des moments les plus forts parce qu'on doit en ressortir lessivé. Je pense qu'ils ont dû mettre tellement d'afflux nerveux pour arriver à rester à chaque fois au maximum et tout donner que ouais, ça a dû être vraiment, vraiment intense. Quoi. Si un jour je peux me rapprocher des performances comme la leur, ça serait bien. Ouais.